puisque l'hiver est terminé et que le printemps est arrivé, j'ai décidé de vous parler de la différence entre hiverner et hiberner. Hiverner, ça veut dire se mettre à l'abri durant l'hiver. Donc, les animaux qui font ça peuvent se mettre à l'abri ici au Québec ou ils peuvent partir ailleurs. Donc, par exemple, les oiseaux migrateurs comme la bernache du Canada. Donc, quand ils se mettent à l'abri, c'est un peu comme s'ils dormaient. Donc, ils peuvent se réveiller à tout moment. Au contraire, l'hibernation, c'est vraiment tout le métabolisme qui est ralenti. Ça veut dire que le cerveau des animaux qui hibernent fonctionne seulement pour les fonctions vitales comme la respiration et les battements de cœur. Aussi, les animaux qui hibernent sont en hypothermie régulée. Ça veut dire que leur température corporelle diminue beaucoup. Ça peut diminuer jusqu'à 0 degré, mais pas en dessous. Ils ont aussi moins de respiration et de battements de cœur. Donc, ça leur permet de vraiment économiser leur énergie. Et les animaux qui hibernent, ça peut être la grenouille et la marmotte. Donc, eux, ils ne se réveillent pas durant l'hiver. Ils vont seulement se réveiller quand leur hibernation va être terminée. Aussi, il faut savoir que souvent on parle de l'ours noir en pensant qu'il hiberne, mais l'ours noir qui est présent ici au Québec n'hiberne pas, il hiverne. Donc maintenant, vous savez la différence entre les deux.